Alors bonjour, je m'appelle Julien Baudry, je suis bibliothécaire et je travaille au service commun de la documentation à l'Université Bordeaux-Montaigne, où je suis plus spécialement en charge de ce qu'on appelle les services aux chercheurs du service de la documentation, et donc principalement des services en contact avec les activités de recherche de l'établissement. Alors le service commun de documentation, c'est un service de l'université qui a pour fonction de permettre l'accès à la documentation à l'ensemble des membres de la communauté universitaire et même au-delà. Et donc le service de documentation va gérer un ensemble de bibliothèques physiques qui sont disponibles sur le campus et que vous connaissez sans doute. La bibliothèque universitaire qui est actuellement en travaux par exemple et qui va rouvrir en 2023. Et d'autres structures comme par exemple la bibliothèque de géographie cartothèque ou encore la bibliothèque Robert-Étienne spécialisée dans l'archéologie. Et en plus de gérer ces bibliothèques physiques, le service de documentation, il va gérer aussi tout un ensemble de services documentaires qui permettent en fait d'augmenter, d'améliorer l'accès à la documentation pour l'ensemble de la communauté et notamment à la documentation numérique. Alors l'accès à la documentation est vraiment essentiel pour l'activité de recherche de l'établissement. Donc les chercheurs ont nécessairement besoin pour pouvoir réaliser leurs travaux d'avoir accès à une documentation la plus abondante, la plus disponible possible. Et en fait le service de documentation, il a ce rôle de permettre aux chercheurs d'avoir accès à toute cette documentation. Et ça va comprendre en fait un accès extrêmement varié à la fois la documentation imprimée, des documents physiques, toute la documentation numérique également, qui est gérée par le service de documentation. Et par ailleurs, plus spécifiquement, moi je vais aussi me charger de ce qu'on appelle les productions numériques de l'établissement, c'est-à-dire les thèses, mais aussi les mémoires, qui sont réalisées au sein de l'établissement. Le service de documentation, les bibliothécaires vont avoir en charge en fait, de les numériser et de les rendre accessibles, de les diffuser. Et ce genre de service, c'est un service qu'on va rendre aussi à l'ensemble des chercheurs, à l'ensemble de l'activité de recherche. On peut en fait diffuser leurs productions, diffuser leurs données par exemple, s'ils ont des fonds de photos ou bien de vidéos. On peut aussi se charger justement de cette diffusion des données de recherche qui découlent directement de l'activité scientifique de l'établissement. Alors en plus de permettre aux chercheurs de l'université d'accéder à la documentation qui peut se trouver dans les bibliothèques ou ailleurs, par exemple à travers le service de prêt entre bibliothèques, le service de documentation il va aussi avoir comme fonction de faire en sorte que la documentation produite par les chercheurs de l'université soit la plus visible sur le web et la plus accessible possible. Et ça en fait, ça va s'intégrer à tout un ensemble d'un mouvement qu'on va appeler la science ouverte et qui consiste en fait à faire en sorte que la science qui est produite au sein des universités en particulièrement mais d'une façon plus générale partout dans le monde soit la plus accessible possible. Ça va passer par exemple par des diffusions numériques dans des moteurs de recherche que vous connaissez, que vous utilisez. Et ça peut aussi passer aussi par exemple la numérisation des travaux des chercheurs. Et le service de documentation, il va aussi avoir cette tâche justement de rendre plus visibles ces travaux de recherche, de faire en sorte que n'importe quelle personne, y compris des personnes qui ne sont pas universitaires, qui n'ont pas forcément payé les droits d'accès pour des abonnements à des revues, puissent avoir accès à cette documentation. Et c'est important aussi pour les étudiants, par exemple, puisqu'il y a de plus en plus d'initiatives qui rendent accessible librement, gratuitement, de la documentation utile pour les étudiants, que ce soit celle produite au sein de l'université ou dans d'autres structures, dans d'autres établissements.